Exercice magique d'être en solitaire sur un bateau de cette taille, en plein vol, et que ce soit effectivement au prêt, que ce soit au portant. On avait beaucoup travaillé et ça a apporté ses fruits sur les pilotes, sur l'ergonomie, sur... Et puis demain, il y aura des courses en solitaire aussi, donc on les prépare. Ça ne se fait pas en claquant des doigts la veille pour le lendemain ou même la même année. Il y a un process de réflexion qui fait que ben, il faut travailler, comprendre et puis s'engager. Repos 2-3 jours et puis après, on a la Dream Cup en équipage. Il va nous manquer ce fameux foil tribord là, qui nous fait défaut et qui est coincé en Italie avec le Corona. Mais ça va être un moment où on va se mettre en compétition contre d'autres bateaux, à faire un parcours et avec une partie de l'équipage de Jules Verne. Donc on va switcher dans un autre mode et j'aime bien ça. Je suis fatigué un peu, mais je suis très content.